nouveau centre culturel. J'en pense que c'est un avantage sur le territoire. Je pense que c'est intéressant de promouvoir la culture. C'est un bâtiment qui va être vraiment intéressant, qui va rassembler vraiment beaucoup d'espaces culturels variés. Il va y avoir de la musique, une médiathèque. Ça va permettre de rassembler aussi tous les artistes, quel que soit le côté culturel. Et donc, c'est quelque chose que je trouve vraiment intéressant sur le territoire. Ça va promouvoir le territoire et ça va même aussi peut-être fédérer aussi d'autres communes par rapport à ce centre culturel. Alors, dans l'harmonie municipale, je suis à la commission, donc mon rôle est de prendre avec tous mes collègues de la commission des décisions qui amènent l'harmonie à faire des projets, à organiser aussi les projets, organiser tout ce qui ne se voit pas, tout ce qui est à l'arrière. Donc voilà mon rôle, je suis vice-trésorier, donc j'ai le rôle surtout des sous. Les points d'ouvert. Je suis tromboniste au sein de l'harmonie depuis quasi 20 ans. Au niveau de l'historique de l'harmonie, elle a été créée en 1847 sous l'impulsion de Madame de Clair, Henriette Crombé, de son nom de jeune fille. Parce que c'était tout simplement cette volonté de paternalisme de la part des grands du 19e siècle d'apporter des loisirs aux mineurs. Et puis en même temps, Madame de Clair, voilà, c'était la précurseur de la découverte du charbon dans le Pas-de-Calais. Et donc finalement, c'était un peu l'aboutissement en donnant des loisirs aux mineurs, tout simplement. Et après, l'harmonie évolue hein, au fil des événements politiques et historiques. Ça, après, il faudrait pousser des recherches un peu plus loin jusque dans les archives départementales. D'ailleurs, ce serait sympa de le faire aussi. Mais voilà, après, là, on fête nos 175 ans et puis on espère poursuivre encore longtemps jusque dans le nouveau centre culturel, hein, en lien toujours avec la mine, hein, mine de culture. Faisons qu'un. C'est dans la famille. C'est la famille Oussou. C'est mon tonton et puis mon cousin. Avant, ici, il y avait beaucoup d'harmonie des mines. C'était important. Et du coup, ça se développait beaucoup. Et jusqu'à présent, il y a de plus en plus d'harmonie. Et ça a toujours baigné mon quotidien.